moi. On est content de te voir en tout cas, parce qu'on a fait toute la galaxie pour te trouver. C'est gentil, mais là j'étais en train de regarder une série en fait là. Nous venons de Alpha. Cool, on fait comme si je savais où c'était, c'est ça? D'accord. Une menace risque de s'abattre sur la galaxie, du coup on a pensé à toi. Ah, ça tombe mal parce qu'en ce moment j'ai quand même pas mal de choses à faire donc Non, mais je veux dire en ce moment de manière générale, c'est bon. Oui, mais dans 10 heures, la galaxie, elle n'existera plus, hein. 10 heures? Non, mais attendez, vous savez combien de temps il m'a fallu pour monter juste une seule étagère? 30 minutes? Bah non, si je vous demande, c'est que c'est plus. Ah. Bah, combien alors, plutôt? Bon, et puis déjà, comment je sais que vous venez d'une autre planète? Parce qu'à part votre contouring chelou et vos antennes, là, vous ressemblez quand même vachement à des humains. Ah, bah on peut te montrer, c'est facile. Non, c'est bon, merci beaucoup, je visualise, y a pas de soucis. Bah, et du coup, comment vous avez fait pour me faire venir ici? Ah, ça, bah j'ai appuyé sur ma manette et... qu'il est arrivé ici. J'imagine que c'est plus clair comme ça. Mais vous êtes au courant que j'ai rien entendu de ce que vous avez dit ou pas? Si nous sommes là, c'est parce que t'as été élu pour sauver la galaxie quand même. Bah voyons, la galaxie, rien que ça. Je sais même pas où se trouve la Lettonie, vous voulez que je sauve la galaxie? Ah, la Lettonie? Ah, tu parles du petit territoire qui se trouve entre la Lituanie et l'Estonie? Mais je viens de vous dire que je ne savais pas où ça se trouve. Logique, ouais. Bon écoutez, moi je veux bien être sympa, hein, mais vous pouvez pas débarquer comme ça et me dire il faut sauver la galaxie, les gars. Hein? Je sais pas, on peut pas commencer par un quartier, déjà. Mais tu es l'élu. Mais l'élu de quoi? Y'a pas d'élection ou quoi que ce soit, j'ai même pas voté. Hein, c'est quoi cette galaxie où les gens sont élus alors qu'ils sont même pas présentés? De toute façon, je peux pas le faire tout seul, donc voilà. Mais attends, mais pas tout seul. Attends, mais y'a Laureline avec toi. Ah, la galaxie. J'avais pas... Autant pour moi. Je peux le faire, oui, y a pas de soucis. Cool. Et bah ton ennemi, ce sera lui. Mais c'est beaucoup zoomé, là, ou pas? Comment ça? Non, parce que genre un microbe au microscope, ça paraît effrayant comme ça, mais en vrai c'est ridicule. Ah mais non! Ah non, mais non! En vrai il mesure 15 mètres lui! D'accord, donc c'est pas zoomé du tout. Du coup j'imagine que vous avez des super armes pour moi? Ah bah oui, on a ça! Désolé, fausse manip. C'est con parce qu'en fait là c'était pas mal, il y avait quand même pas mal de bombes donc j'aimais bien. Ah oui? Je suis pas sûr, mais je pense qu'il faisait référence aux femelles de son espèce. Bon, et du coup c'est quoi les armes que vous avez pour moi? Le Triphaser 7000. Ah, ça c'est bien, ça j'aime bien. Celle-là c'est pour Laureline. C'est elle qui va l'utiliser. Ok, et donc pour moi vous avez quoi? On a ça. Non. Bah ouais, mais c'est pour passer inaperçu. Je ne porte pas ça, hein, d'ailleurs personne ne porte ça aujourd'hui. Il manquerait plus que vous me filiez des lunettes dégueulasses et là on... Ok, j'ai compris, en fait vous voulez pas que je puisse pêcher au Laureline, c'est ça? Vous êtes dessus les gars? Écoutez Valérian, faut juste que vous compreniez que... Comment vous m'avez appelé là? Valérian. Je m'appelle pas Valérian. Bah si. Bah non, d'ailleurs personne ne s'appelle Valérian en 2017, c'est même pas un prénom. Attends, mais t'as fait n'importe quoi là, qu'est-ce que t'as foutu? En fait, je pense que on est au bon endroit, mais on n'est pas à la bonne période. Écoutez, désolé du dérangement, on s'est trompé. Voilà, excusez-nous. Vous foutez de moi là? Non. Non, bah non. D'accord, et donc là, en fait, vous allez me renvoyer chez moi, c'est ça? Ouais, ouais, on va faire ça. Non, on va le faire maintenant. Là, bonne journée. Hein? Nickel. Bon, bah, petit ciné. Au fait, si jamais, comme ça par hasard, ça vous branche de gagner des places pour l'avant-première de Valérian le 17 juillet à Los Angeles directement, eh ben c'est dans la description que ça se passe.